Oh putain, le rat, à chaque fois il revient, t'es sérieux? Ah mais normalement, si tu esquives la brume et que tu ne t'approches pas, ça devrait pas être un problème. N'ai pas le temps de jouer avec vous, les rats. J'ai des choses plus importantes à faire. Oh. Oh, y'a. Oh. Ça a quelque chose d'aller là-bas. Cette texture est très moche. C'est très très moche. On a vu ça. Ah, on fait sa petite ronde. Frère de R. Maintenant, je suis content, je peux encaisser un peu. Allez. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette grosse porte? Ah bah d'accord. Sérieux? Autant de suspense pour rien. Ouverture impossible de ce côté. Oh. Bon. Putain, moi je me disais non, je veux pas ouvrir parce que je vais ouvrir. Et ça va m'activer le boss. Non. Donc le boss, c'est réellement celui qui doit tirer les... Donc on va aller de ce côté hein. Bon, on y est, tant qu'à faire. La presse. Oh. Bye bye. Bon, enfin dans tous les cas, je me suis débarrassé. Putain, j'ai plus de fioles, c'est cool, j'ai... Putain, il y en a encore un là. Sérieux, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Putain, encore. Ah, par contre, ça a réellement l'air d'être le boss. Putain, j'ai pas envie d'en attirer un autre là, et en même temps, de toute façon, j'ai plus rien à perdre. Qu'il y avait un marchand de pyromancie. On avait dit que c'était des vacances.
Plus rien. Je n'ai plus de vie. Je dirais le chevalier gargouille. Another one of those unkindled, are you? All you faceless undead, behaving as if you deserve respect. No matter. Heed my words. If you've any sense, you'll go find a coffin to huddle up inside. You here, in this land of hollows. You're like a frail maiden on the front lines. If, like the others, you're fool enough to play the champion, then go on ahead. Traipse right past the abandoned church. You'll face death. And it won't be pretty. Enough death to leave you broken. Time after time. If, like the others, you're fool enough to play, then go on ahead. Putain, t'es raccourci dans tous les sens. Exactement comme Dark Souls 1. Oh. Ah ouais. Pardon me, I was absorbed in thought. I am Siegvert of Katarina. To be honest, I'm in a bit of a pickle. Have you ever walked near a white birch only to be struck by a great arrow? Well, if I'm not mistaken, they come from this tower. Whoever it is, I'm sure I can talk some sense into them. But I have to find a way up, and that's just the trouble. This lift only goes down, you see, and... Well, that doesn't get me anywhere. L'ascenseur ne va que vers le bas. C'est énorme. Et là, il y a quoi ici? Putain, on dirait la crypte des morts-vivants, quoi. Chut. Mais cet endroit est tellement immense, je m'attendais vraiment pas à ça. C'est ouf! Ah, oh, un item gratuit! Ah, je vois où je suis. Je crois voir. Bah non, en fait, c'est pas possible. La braise. Ouais, ben, on va se barrer, hein, parce que, bon, il se fait tard, hein, voilà. C'est surtout qu'en fait, j'ai aucun point de vie. Tiens, d'ailleurs.
je pourrais mettre l'anneau de pierre l'arme bleue maintenant. Allez! Évidemment, je ne tombe pas! Évidemment, avec vous, il est sûrement tombé, mes femmes. Putain, il y a tous les rats par contre à se faire. Pas bon tout ça. Aller revenir en fait à chaque fois. Ou croissant ardent de Cartus. Ça les amis, ce sera l'ultime buff de mon build. L'ultime buff. Enfin, faudrait déjà se trouver le marchand de pyromancie du jeu. Ou même tout bêtement de la pyromancie. Alors attendez que je résume deux secondes là, dans la merde dans laquelle on est. Soit on avance dans cette direction. Et ce type en haut de la tour nous tire dessus. Soit on va essayer de tuer le chevalier de glace qui est en bas. Où sont les hommes? On va essayer d'aller tuer le chevalier de glace, même si je pense pas que ça nous avance à grand chose en soi. On va le tuer, ouvrir une porte et... Voilà. On va passer à... J'ai pas du gel synthol là dans mes équipements parce que putain, c'est mal. J'espère pour lui parce que j'amène de la compagnie. Ouais. Bon. Allons affronter ce chevalier. Je sais pas s'il est ultra fort, pas fort. Je connais pas le niveau. Mais je veux le tenter. Oh putain! Faire frostbite. Allez, comme je la suis. Ah. D'accord. Quel est l'effet de cette épée? Moins forte que mon Shigatana. 124 plus 7. Oh.
Ouais. On va quand même la tester. Oh. Ouais, j'aime bien le mousset. Pas mal. Mais je préfère mon katana. Alors, où est-ce que... Ouais, putain, j'ai encore déjà plus de fioles. Oh. Affreux. Affreux, ça, le son de fioles. Senti quoi? Des sacrifices. Bordel. Je suis où? Où dois-je aller? Et il faut le chevalier de Katarina là, mais attends, mais ça t'emmène dans un tout nouveau lieu. Charge Ness. Quoi? Ok, ok, non, non. D'accord, c'est quoi cette merde? Bon alors moi j'ai des ailes qui me poussent. Oh putain. Ok, grande surprise. Bon. Non. L'effet pratique, tel les serpents de Bloodborne. Pierre de confession. Donc tel les petits les mecs qui avaient une tête après avec plein de serpents dedans. Ce qui est pratique, c'est qu'au moins, tant qu'ils ne sont pas déjà transformés, bah, ils ne représentent pas une grosse menace. Qu'est-ce que c'est que cette pierre que j'ai trouvée? Ah, d'accord, annule l'imprégnation. D'accord, okay. La pierre fondue. Ah, lui par exemple, il est déjà transformé. Lui, ça va poser un petit problème. Mais s'il craigne le feu, je dis pas non. Du coup, je vais aller du côté plus sécurisé. Alors à la base j'étais dans un village de morts-vivants, au final j'ai atterri là. Complètement par hasard d'ailleurs. Est-ce que je peux tuer ces mecs? C'est le mage. J'ai cru qu'il allait appeler des renforts. Ah, putain, c'est ce qu'il a fait. C'est la merde. Mais c'est la merde. Voilà, je devrais retourner au village des morts vivants quand même avant d'explorer une zone. Ouf. On va voir jusqu'où on peut aller et puis... Ok, no turning back. Ouais, qu'est-ce qui va me sauter dessus par derrière là? C'est toi qui les as tous tués?
Ah oh, putain, cette vieille tête. Le C. Bien. Donc du coup, c'est pas très compliqué. Ouais, pour de la force. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais pour de la force. Là, je l'ai pris. Du coup, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Qu'est-ce qu'elle garde? Tout le set de brigands. Dague de brigands. Il a marqué ennemi redoutable. Bon, en tout cas, j'ai les dagues de brigand. Putain, pas mal, n'empêche tout le set, tout le truc. Bon, pourquoi pas. What? Il y a encore un de ces foutus mages et j'ai l'impression d'atterrir dans une espèce de vieille ville. C'est vraiment n'importe quoi. Fragment de titanite. Yes! Oui! Nous allons pouvoir améliorer notre Ushi Katana. Katana plus 2. Nous allons pouvoir l'améliorer. Mais avant, je tiens à... Finalement, je sais pas, c'est pas une zone, ouais, bien fait pour le début. J'ai pas l'impression de m'être complètement perdu dans le sens où j'ai pas l'impression d'être dans une zone trop haut niveau pour moi, quoi. Je vois droit devant, quoi, un boss. Ça me paraît un peu trop beau là, qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Un feu? Déjà? Est-ce que j'ai fait quelque chose pour le mériter? Est-ce que je peux allumer votre feu, les mecs? Ça vous dérange pas? Vous êtes qui d'ailleurs? Oh, hello. How do you do? I'm Anri of Astora. Unkindled like you. This is Horace, a friend and traveling companion. Are you too in search of the Lords of Cinder? We're well along the road of sacrifices. Below us is the Crucifixion Woods. Beyond the flooded woods lies Farron Keep, home of the Undead Legion. Further yet is the Cathedral of the Deep. We seek the cathedral, home of the grim Aldrich. We may go our separate ways now, but we are both seekers of lords. The next time we cross paths, one may find the other in a time of need. May the flames guide your way. Merci, t'es très gentil. Et toi? Sentinelle bleue. D'accord. Oh, yes. Horace. He's not very talkative,
But don't think ill of him. He is an upstanding, kind-hearted knight, a fine partner for this grueling journey. Without his help, I would have cursed this onerous duty long ago. We are well along the road. Beyond the flooded woods lies Farron. En gros, t'es je suis encore loin de d'arriver un peu. Tant mieux. N'empêche, c'est chaud. Du début, je suis allé jusque là, nanana, et puis après, bon, il te reste ça. Ouais, ça va. En termes de durée de vie, je pense que tout va bien. Donc on va continuer dans ce coin-là, je sais pas ce que vous en pensez. Longtemps que j'ai pas vu de boss en tout cas. C'est pas pour me déplaire, hein, tu me diras. Comme quoi, hein. Il t'attaque vraiment avec tout ce qu'il y a dans le coin. Je sais pas, je le sens pas là, je le sens comme un vieux malaise là qui m'envie. Oh, t'inquiète, juste ce qu'il me faut. Bon, c'est pas empoisonné, ça, si. Bon, rien n'a l'air empoisonné. J'ai fait une connerie en faisant ça. Non. What the? C'est quoi ce machin? Crap! Merde. Bon.
Qu'il y en a encore un juste après. Hein. Pouah. Je sais pas du tout où est-ce qu'on en est. Mais... What the? Qu'est-ce qu'un chevalier noir fait ici? Je sais pas si c'est défendre le seigneur Gwen depuis. Comment ça se fait que t'as survécu depuis autant de siècles? Comment ça se fait qu'on ne peut pas te backstab? Putain, je vais crever, j'ai plus aucun point de vie. Ça m'arrive à mon sort. Il résiste au feu normalement. S'il a été bien programmé. Putain, pourquoi les backstab passent pas? Ok. Ouais! Oh, ça va! Non! Putain, je pensais avoir bouclier équipé! Je pensais avoir switché là! Qu'est-ce qu'un chevalier noir fout là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, mind fucked! Totalement! Alors là, c'est directement, là, c'est même pas issu de Dark Souls 1, c'est pas un clin d'œil là, c'est. Real deal. Comment ça se fait? Pourquoi? Comment? D'accord. C'est foutu là, est-ce qu'il y a un rapport avec Gwen dans cette... Bon, pourquoi la zone a l'air si... Remarque, si je cours comme tout à l'heure, j'en attire qu'un seul. Après, c'est à moi de jouer, quoi. On peut recommencer. J'arrive pas à buter ces mecs-là, quoi.
Faut vraiment que je monte mon Ushigatana en plus 2. Ce qui me fera gagner au moins... Bah largement pour en fait me tuer sur un full combo avec R1 et Ushigatana. Comme ça, voir si je peux en attirer. Attire tous. Nous allons fuir. Récupérons notre bien. Oh non, alors là, pire scénario possible. On va retourner au feu de camp, réparer notre arme et revenir ici avec tout ce temps. Deux niveaux avec ça, ce serait pas mal. Allez, hop. Hey, pourquoi je peux pas? Pourquoi est-ce que je peux pas me reposer? Est-ce que c'est à cause de lui? Ok, normal. J'aime bien quand il me loot des armes comme ça. Je retourne aussi au village des morts vivants parce que bordel. Bordel, j'ai toujours pas fini de le visiter. J'ai pas eu envie de voir ce qu'il y avait plus loin que le mec qui me tirait des flèches à la figure. T'es nouvelle toi. You're an unkindled, aren't you? I am Cirrus of the Sunless Realms, former servant of the divinity. Duties we each bear, but one's duty is a solitary affair. I doubt we've much to gain from fraternization. Blessing of the moon upon your journey. Ce que j'aime bien, c'est que je ne fais absolument rien. Je n'ai tué aucun boss, j'ai rien fait de particulier, et il y a des gens qui... And a seeker of lords. I am Ludlith of Corland. Look not in bewilderment as I say. I linked the fire long ago, becoming the Lord of Cinder. If substantiation be thy want, set thine eyes upon my charred corpse. This sad cadaver. No need to be calm. Have a closer look. Listen, this might pique thine interest. Before I was a Lord of Cinder, I was a student of transposition, the process of extracting and coalescing the essence of a soul. A forbidden art that once left a foul stain upon Corland's honor. Tis an art that grants powers once thought unattainable. Most transposing kilns were lost with Corland, but this place is a crossing for all manner of cursed objects. If thou happenst upon a transposing kiln, bring it to me, quick. Listen, this if the pro... most if... Le fait que foyer de transposition et tout ça, un
un ancien seigneur des cendres. Donc ça pourrait confirmer ce qu'on pensait tous, hein, que finalement Gwen à la fin de Dark Souls 1 n'est peut-être pas finalement Gwen, mais un autre mec. Ça c'est largement possible, hein. C'est de plus en plus en train de se confirmer. Mais bon, à part ça, rien de bien intéressant. Du coup, j'ai pas débloqué d'autres personnes. Toi. Ah, just what need. Je veux renforcer pour de bon cette fois mon arme. Alors, je gagnerai quelques points. C'est marrant comme t'as l'impression que ça ne sert à rien, mais si, je t'assure, ça peut servir. Pretty big, I don't want. Mon Ushikatana est encore plus puissant. Alors, je vais m'entendre. Welcome, sir. Very well, then taken. Farewell, Ashni. Ok, nickel, exactement ce que je voulais. De feu 1. Ah, ça y est, ça existe encore, ça c'est le niveau de feu. Route des sacrifices, forteresse à mi-chemin. Où est-ce que je vais? Est-ce que je retourne près du pont en ruine? On va voir. On va essayer de courir pour aller tracer en fait là où l'autre nous tire dessus. Il peut pas prédire notre trajectoire, il peut pas. Si on fait que courir tout le long, il peut pas nous avoir, donc je pense que qu'on va faire comme ça. Ah, c'est con, j'aurais bien aimé finir cette petite session sur un boss, quoi. Bon, il reste encore un peu de temps, mais putain, j'aurais bien aimé tomber sur un gros boss. Oh, un petit, hein. Sur un boss, quoi. Puis on m'avait dit que j'avais trouvé un pyromancien dans un village. Ah, une autre grosse porte. D'accord. Là, ça me mène. Ah. Et là, ça sent le boss. Hey, qu'est-ce que je disais? Derrière cette porte, il y avait un boss. J'avais pas totalement tort. Ah, ça pue le boss. À plein nez. Qu'est-ce que ça va être? Une créature qui va tomber de là, un cheval. Ils apparaissent via des portails dimensionnels, c'est très bizarre. On peut pas vraiment prédire ce que c'est, quoi. Des fleurs partout, je sais pas, je m'attends à un truc de fleurs. Plante carnivore peut-être. Ah non, y'a rien. Pas de boss. Sérieux, une grande arène comme ça, même pas un boss, putain. C'est presque la déception. What?
contrôler des mobs et se préoccuper uniquement de ces espèces de... Je sais pas, on dirait des œufs, c'est très bizarre. Bon, en tout cas, il aime pas, hein. Ça lui a fait pas mal de dégâts. Bon, on va continuer comme ça. Donc, attends, du coup, on est obligé de... Je trouve que ça reste quand même rapide par là. Tu sais. Ce qui fait les mobs, mais c'est... pas me frapper
dire ce qu'on voudra, mais franchement, j'ai vraiment pas de peau avec les boss. Hein. J'ai vraiment, vraiment... En plus, j'ai tout fait pour essayer de garder le peu de vie qui me restait. J'étais là, allez, vas-y, on se la joue sick. On se la joue safe et tout. Ben, la deuxième phase, elle est pas ultra dure. Hein. Pour moi, c'est vraiment la première qui me casse les couilles avec tous les mobs qui me tournent autour. Franchement, t'enlèves ça, y'a rien, quoi. C'est peinard. D'arbres à la con. Pas un boss bien compliqué, mais... Ah, du coup, mes âmes, elles sont en dessous. Donc si j'arrive pas en phase 2, ben... Adieu. Adieu tout le butin.
Y a aucune ouverture, putain. Enfin, si, il y en a, mais c'est que la hitbox de ces endroits vulnérables est tellement petite que. Putain, ça fait chier. Bah, limite, si on passait par là, ça serait plus simple, plus long. Je me ferais peut-être m'enlever. Bon, sinon j'ai à peu près compris, tu fonces vers lui, tu peux taper la première main, ensuite tu peux taper celle juste derrière. C'est pas un surmontable. En tout cas j'avais raison, il y avait bien un boss là derrière. Eh putain, faudrait que je termine la session, ça fait un bon moment que je joue. Je veux absolument tuer ce boss. J'ai tapé deux doigts là, un PV de merde. Encore. Les gars. Bien, bien. Alors regarde. Celle-là. Non, c'est celle-là. Je me fais permaston, je me prends un coup, un deuxième, après c'est le boss. Voilà. Ah non, non, on peut pas rester sur des défaites pareilles. Surtout, putain, le 1 PV, je jouais super bien, il m'a eu un PV. Le roi du 1 PV se retrouve en difficulté. Seulement j'avais aussi un autre sort de Pierrot, hein, c'est rien, on a pas beaucoup d'autres. Pas si ce sera la bonne tentative, mais. Au moins, on va tout faire pour. Yeah.
âme de l'arbre géant maudit. Foyer de transposition. Ah, j'ai eu le foyer de transposition, je vais pouvoir le filer à eux. Oh putain, yes. Oh mon dieu. À quoi ça sert le foyer de transposition du coup? Là. Permet la transposition. Foyer de transposition. Sert à transposer. C'est aussi simple que ça? Allez voyager, retournons au sanctuaire de l'Ichefeu et puis reposons-nous de nos aventures. Waouh! Je pensais pas jouer autant de temps, là. Je pensais faire 2h pile, mais on a eu un petit extra, 2h20. Eh bah écoutez, tant mieux pour vous. Bien content, encore un autre boss de tombée, on a pas mal exploré, mais pas assez à bon. Du coup, on va les donner à l'autre les trucs de transposition. Putain, par contre, il me regarde ma barre de vie, quoi. Wow. Alors là, ouais, je crains pas grand-chose. Où est-ce qu'il est, déjà? Tellement chétif, quoi. Fret not, for I am the Lord. Oh, belike it is. A transposing kiln in thy possession. Seen better days, but methinks it shall suffice. Now, bring to me a twisted soul. Transposition is the art of extracting and coalescing the essence of a soul. In transposing a twisted soul, its true power transferreth to thee. Thy purpose is to seek lords and slay them. What's to fear in a little transposition now? Je comprends pas le truc. Ah, d'accord, ok, c'est la transposition, c'est pour... Ah. C'est des âmes en échange d'armes. D'accord. Rien ne m'intéresse pour l'instant, merci. Now, now. Toi. Welcome home, speak then. Niveau sup. Very well, then hey. Je peux monter que d'un niveau, ça commence à devenir un petit peu rien. Un petit peu ric-rac. Je montrais bien la mémoire. La vigueur, monter la vigueur à 10 peut-être. Farewell, Ashen, may the flame. Voilà. Et bien écoutez les amis, c'est là-dessus. On va se quitter. J'espère que vous avez apprécié donc, ces deux vidéos, parce que je les ai enregistrées sur vous. J'espère que vous les avez appréciées. J'espère que... Bah écoutez, si c'est le cas, laissez un petit pouce vert, laissez un petit pouce bleu, un petit pouce vers le haut. Un petit commentaire aussi pour me donner toujours plus de conseils. Et puis bah écoutez, je vous retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures dans ce playthrough de Dark Souls 3. À très tout le monde, à la prochaine, salut. And don't forget to taste the booyah!